Parfois, dans la vie de tous les jours, on nous demande combien font 10 patates moins 3. Si, ça arrive. 10 patates moins 3, ça donne combien? Oui, 7 patates. Donc, j'ai mes pommes de terre, il y en a 10, j'en enlève 3, il en reste donc 7. Pourquoi 7? Parce que notre cerveau, quand on lui dit 10 pommes de terre moins 3, directement, il se dit forcément c'est moins 3 pommes de terre. En fait, il transforme l'énoncé 10 pommes de terre moins 3 en 10 pommes de terre moins 3 pommes de terre pour pouvoir poursuivre le calcul. Ce qui lui donne donc rapidement 7 pommes de terre. Mais ça, c'est parce qu'il veut poursuivre le calcul. Si jamais ce n'était pas des pommes de terre qu'il fallait retrancher, mais une banane, à ce moment-là, le calcul serait impossible. En mathématiques, c'est plus simple. En mathématiques, il n'y a pas de sous-entendu. Il ne faudra pas confondre l'énoncé 10x moins 7 et 10x moins 7x. Pour reprendre l'exemple des pommes de terre, ici on aurait dit 10 patates moins 7 et ici 10 patates moins 7 patates. Donc en mathématiques, 10x moins 7, ce n'est pas la même chose que 10x moins 7x. Prenons 10x moins 7x et faisons le calcul. Il y a bien un facteur commun qui est x, je factorise donc par x et 10 moins 7, ça fait 3. On a donc 10x moins 7x est égal à 3x. Revenons au premier calcul, 10x moins 7. Si je veux faire apparaître une multiplication, je n'ai pas trop le choix. C'est 10x, 10 fois x, et 7, la table de 1, c'est égal à 7 fois 1. Nous n'avons donc pas de facteur commun, ni le x, ni le 1. Le calcul est donc bloqué. J'ai terminé de calculer. Tant mieux, 10x moins 7 égale 10x moins 7. Je ne peux pas aller plus loin. Ça va très vite. En résumé, ne pas confondre l'énoncé 10x moins 7x où il y a le facteur commun x et 10x moins 7 où il n'y a pas le facteur commun x et donc je suis bloqué.